Madame Fofana Djigane Ligueur Ndiaye, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous opérez dans le cadre de l'islam. Vous avez mené plusieurs activités dans ce domaine. Parlez-nous un peu justement des récentes activités que vous avez menées dans la promotion de l'islam. Ok, je vous salue. Je salue tous les auditeurs d'abord. Et puis, pour commencer, on a organisé une sorte de fidaou à Biskirma, dont on a invité Abou Majib et Carmo Solo. Et Inch'Allah aussi, Dieu veut bien. Et cette année, on compte encore organiser le même fidaou avec les mêmes invités et d'autres invités cette fois-ci, qui viendront d'ailleurs. Et pour le moment, on ne peut pas donner de nom parce qu'on n'a pas finalisé, on ne sait pas quelle date on va prendre. Et le mois, le jour, on ne sait pas d'abord, mais on est dans l'organisation de ce fidaou-là pour cette année encore, Inch'Allah aussi, Dieu le veut. Alors justement, vous animez ces différentes activités en partenariat avec les autorités religieuses du pays ou bien vous les menez seul? Non, cette fois-ci, on l'a mené avec mon mari. Mmh. Et parce qu'on est, on est parti vers le village chez nous, mmh, à Biskirma. On a demandé la participation de plusieurs personnes quand même, parce que même quand on met 500 francs guinéens là-dedans, vous avez votre part des prières qu'on fait, les bénédictions qu'on fait, vous avez votre part. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues, qui ont entendu, qui ont donné comme ça pour avoir des bénédictions aussi. Et que ce soit des personnalités, que ce soit des anonymes, plein de personnes sont venues participer financièrement, sont venues physiquement. Il y a d'autres qui sont venus vraiment dans beaucoup de domaines pour nous venir en aide et puis assister au fidaou pour avoir des bénédictions. Alors justement, qu'est-ce qui explique votre amour pour l'islam et justifie les activités que vous menez dans ce cadre? Je suis né musulmane de père et de mère. Et c'est vrai que je suis très très attiré par l'islam. Peut-être parce que c'est l'éducation que j'ai eue. Et ça aussi, c'est la foi que Dieu m'a donnée. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui sont nés dans l'islam, qui sont nés de père et mère musulmans, qui ne le pratiquent pas. Mais c'est la foi. Moi, je me sens bien dans l'islam. Je me sens bien. Tout ce qui est Dieu, tout ce qui est proche de Dieu, je me sens très très bien là-dedans. Et c'est ce que je veux faire. Et vraiment, je prie le bon Dieu qui me guide sur ce pas-là et qui me donne la force, la santé à faire ça jusqu'à ma mort. Alors justement, je reviens à une de mes questions s'agissant de l'organisation de toutes ces activités. Est-ce que vous avez peut-être une ONG ou bien sur quoi est-ce que vous appesantissez justement pour mener ces activités? C'est du pur informel comme ça, ou bien il y a quelque chose de concret sur lequel vous partez? Une bonne question, parce que là, on est en train de mettre une ONG en place. Ça, on a beaucoup avancé là-dedans. Bientôt, on va finaliser, Inch'Allah, l'ONG pour l'islam. On va finaliser ça parce qu'on compte aider les mosquées, on compte faire les écoles islamiques et on compte vraiment former les jeunes filles à l'islam, les garçons à l'islam. Si Dieu nous donne vraiment les moyens, faire l'université islamique. Parce que dans notre pays, on ne l'a pas. On n'a pas ça ici et ça manque. Ce n'est pas normal que les gens font des études jusqu'au bac et qu'ils arrivent à sortir pour aller dans des pays arabes. Même pour ça aussi, ils ont des difficultés à aller. Il y a pour les visas, pour l'entretien, tout ça, c'est difficile. En tout cas, c'est des projets qu'on a et on prie le bon Dieu qui nous donne les moyens et la santé pour pouvoir les mettre en place. Alors justement, s'agissant de cette ONG qui est en gestation, est-ce que c'est sur la base des fonds propres que vous allez alimenter ou bien financer les caisses de cette ONG, ou bien vous comptez avoir un partenariat peut-être avec des États islamiques, en tout cas des pays qui pourraient éventuellement vous appuyer? Tout à fait. Éventuellement, on va tendre la main quand même aux États islamiques. Parce que tout seul, on n'a pas assez de moyens pour le faire. Mais on va tendre la main aux États islamiques et à toute bonne personne de bonne volonté qui veulent
vraiment investir dans l'islam pour Dieu, parce que là, il y a du monde. Il y a des gens qui veulent le faire, mais ils ne savent pas comment le faire, ils savent pas, l'initiative n'est pas là. Mais si on le fait, on ne le fait pas seulement pour nous. C'est la porte est ouverte pour tout le monde, toute personne qui a des idées, toute personne qui peut donner, toute personne qui peut participer sur n'importe quel plan, que ce soit financier, que ce soit pour des idées, que ce soit n'importe quoi, on est ouverte à tout. C'est pour tout le monde, l'islam, c'est pour tout le monde, et tout le monde est invité à donner des idées, à venir participer à ça. Alors la gestion des ONG, c'est pas facile, surtout quand on est femme. Est-ce que vous pensez que seul vous parviendrez justement à pouvoir en tout cas mettre en œuvre tout ce que vous avez à faire dans cette ONG? Pour commencer, je ne suis pas seul. J'espère que je ne serai pas seul, parce qu'il y a beaucoup de femmes ici en Guinée quand même qui s'intéressent de l'islam. Il y en a beaucoup qui s'intéressent à l'islam. Il y en a plein. Ils attendent seulement qu'on leur tende la main. Dès que l'ONG sera en place, et ça déjà, je profite de votre truc pour pouvoir lancer quand même, de dire aux femmes qui veulent s'investir à l'islam, elles sont des bienvenues vers moi pour qu'on échange, pour qu'ils amènent leurs idées, pour que... Il y a du monde, je sais qu'il y a du monde, je commence, mais j'aurai du monde, parce qu'il y a plein de monde, plein de femmes qui attendent que ça. Alors, dernière question, est-ce que vous avez le sentiment que les femmes sont beaucoup impliquées dans le rayonnement de l'islam en Guinée? Oh, beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Les femmes sont beaucoup impliquées. Les femmes se battent vraiment pour l'islam. Les femmes, parce que c'est normal que les femmes se battent pour l'islam. Parce que la maison, c'est la femme qui même si c'est le papa est là et tout, mais c'est la femme qui prône l'islam. C'est la femme qui donne l'éducation. La femme, il y a beaucoup, je peux dire, si je ne vais pas m'avancer trop, mais 90% de femmes en Guinée aujourd'hui sont vers l'islam. Alors, madame, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.